vois que neige qui poudroie et s'accumule en tas. Et moi, je vois le roi. Oh, ça perd des popettes, la neige forme comme un voile immaculé. Je suis totalement dans le noir. Totalement dans le potage. Oh, oui. C'est une erreur de mes sens abusés. Tu vas te retrouver avec des dents en moins. Oh mon Dieu, il oserait. Ben voilà. Tiens ça, Inchi. Vas-y, Antoine, je t'écoute. C'est gentil de m'écouter, mais que dois-je dire? Alors, par exemple, où est Lucie que je vous ai guidée? Compte sur moi. Elle est en approche finale. Légèrement d'assiette, il me semble. Sors le stabilisateur, Lucie. Sors le stabilisateur. 2 degrés à gauche. Oh, non, excusez-moi. 2 degrés à droite. Non. Un cheveu à gauche, à droite, à gauche. Droite, gauche, gauche. Oh, ce n'est pas possible. Tout va bien, Dulcie? Juste un petit peu mal à la tête, maman. Et où on va dormir maintenant? C'est curieux. J'allais poser moi-même la question. Oui, méga ton problème. Alouette, gentille Alouette. Alouette, je te cirerai. Je te cirerai les bottes, je te cirerai les bottes. Et la semelle et le talon, au chiffon, nom de nom. Ouh, Alouette, gentille Alouette. Bonne nuit, mes bottinettes en cuir, mes compagnes de marche. Faites de beaux rêves et demain ne soyez pas dans le cirage. La blancheur du foyer. Sacre bleu d'Auvergne. Mais que vois-tu s'y paraître? Oh, je vais vous régler votre compte comme il se doit maintenant. Condamné à mort? Non, vous allez disparaître. Ah, instant béni de calme et de tranquillité. Antoine! Où es-tu, Antoine? Que me vaut cette visite au petit nez? Ton petit nez? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé en parlant de ça? Il s'est malencontreusement coincé dans une porte. Oh non, regarde ce que tu as fait! Quoi? Oh, tu as introduit de la souillure dans mon logis. Sortez pas mes souliers, chérie. Oh, regardez-moi ça, un petit peu, quel travail. Si tu ne vois pas d'inconvénient, je vais m'installer ici jusqu'à ce que ma hutte soit reconstruite. Oh, va des rétros. T'installer ici? Eh oui, il n'y a plus une seule chambre en ville. Toi? Ici? Non, c'est-à-dire sous mon propre toit? Eh oui, c'est l'idée. Pas question de reconstruire tant que cette méga tempête va continuer. Conclusion, nous allons être compagnons de chambrée. Compagnons de... Chambrée, oui. Bon, où je mets mes chaussettes? Chaussettes? Ah oui, mes chaussettes. Oh, miel, pour une tempête, ça c'est une tempête. Je risque d'être bloqué là des semaines. Eh bien, Antoine, j'ai dit quelque chose de... Il va falloir que je nettoie mon corps, tout ça, et ça va durer combien de temps, cette histoire? Un petit peu, je ne suis pas là pour ça. Oh, non! Tu sais ton problème, Antoine? Il faudrait que tu apprennes à décompresser. Oh, qu'est-ce que c'est? Où as-tu mis tes chaussures? Au pied. Enlève-les, enlève-moi ça tout de suite. Non, on ne bouge pas mes tennis.
Ne joue plus jamais avec ça, Antoine. Sinon, je risquerais de devenir très, très désagréable. Message reçu. T'as vu un fantôme? Moi, non. Des tonnes de neige dans mon logis. Oh, erreur de manœuvre, excuse. Au fait, Antoine, j'espère que t'as des oignons. Un chili hot dog sans oignons, c'est impensable. Chili dogs? Qu'est-ce que tu fais au juste? Prépare le dîner. Goûte à mes chili hot dogs et tu ne voudras plus entendre parler d'autre chose. Parfait. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est pas possible, qu'est-ce que t'as fait? Conserve ton calme. Dis-toi que ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être pire? Non. Ça continue. Ben, fais pas la tête. Je t'en ai mis un de côté. Bon. Oh. Bon, alors, Antoine, tu te décides? Une fois? Deux fois? Adjugé. Non, je ne veux pas le voir, Terminé. Non, laissez-moi sortir, faut changer de maison. Elle part. Ou peut-être... Attends, je vais rester dans le placard. Non, il faut que je parte là-haut. Daniel, je ne pouvais pas savoir qu'il avait envie de chili hot dog à ce point-là. Mon Dieu, débarrassez-moi de ce virus. Qu'il s'en aille et qu'il ne revienne plus. Qu'il mange du chili hot dog à s'en rompre l'estomac. Qu'il aille apprendre à vivre chez les Zoulous. À nous deux, on va... Qu'est-ce qu'il a encore trouvé? Approche ta ceinture, on va... Ça va décoper. Si tu ne peux pas vaincre l'adversaire, essaie de l'attaquer avec ses propres armes. Hé, Antoine, t'as ton quart d'heure? Mon quart d'heure? J'ai ma demi-heure. Mes 60 minutes, mes 24 heures sur 24. Waouh! Eh bien le bonsoir, messieurs, dames. Mais qu'est-ce qui se passe, Fatine? Que se passe-t-il? Pourquoi Antoine se met-il dans cet état? Pas la moindre idée. Mais tempête ou pas, je vais entreprendre mes travaux de reconstruction. Je ne passerai pas une minute de plus avec Antoine. Non seulement il est complètement déraciné, mais en plus, il vit comme un cochon. Regarde. Je suis content, c'est bien. Voilà, un petit peu de sauce tomate.
soir. Où est-ce que j'ai mis ce tournevis? Ah oui, je l'ai laissé chez Sonic. Petit pied mignon, cette horrible roture ne compte plus sur ma collaboration à partir de dorénavant. Il me faudra consulter un podologue, mais... Roture? Monsieur Roture? Oh! Où est-il allé, ce mécréant? Comment lui dire que je souffre des pieds s'il n'est pas... Oh! Sacre bleu de sa perlipopette! Oh! Roture va être d'humeur rébarbative. C'est étrange comme les écrous et les boulons se cachent tout le temps. Oh, la pauvre demoiselle, on a été frappée par un violent coup de foudre. Hein? J'ai besoin d'un coup de main. Oh là 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 là, je me traîne comme un hussard après Waterloo. Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, non, Roture, c'est toi. Oui, c'est bien toi. Je suis mutilé de guerre, Roture. Non, je dois aller me soigner. Antoine, j'ai besoin d'une clé à molette. Cherche dans ce que tu viens d'apporter. Une clé à molette? Il n'y avait que des vis dans la boîte. Bon, alors, si la clé n'y était pas, bien sûr, je l'ai laissée dans la pantie. Reste là, je risque d'avoir besoin de toi. Tout est arrivé par votre faute. Je suis Antoine Gontran de la Renardière, expert en arts martiaux, comme mes ancêtres depuis 10 générations. Ah, tu es un aristocrate. Oh, Embrasse-moi mon biscuit, sa voix. Ça, c'est bizarre, la clé à molette n'est pas non plus dans la pantie. Mais qui a laissé ouvrir? Oh. Antoine! Coucou, je sais que tu es là, mon petit baba. Non. L'amour se rit de tous les obstacles. Où es-tu? Où te caches-tu, ma crâne renversée? Je t'entends, ma fatale chou. Coucou, montre-toi. Mon plum pudding a filé à l'anglaise. Antonio? Il n'est pas là, mais où peut-il être? Ailleurs? J'en ai assez de cette nuit, j'en ai assez. Eh bien, tiens, il pleut maintenant. Coucou, je sais où tu es. Où vas-tu comme ça? Ne t'en vas pas, j'adore les aristocrates. Sacre bleu d'auberge. Mon fils, tu as la cuillère. Tu me mets à frapper. Allez, montre-toi, Gontran. Non, 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 non,
la Saint-Barthélemy, la Saint-Barthélemy, le fond de la rivière Poitrine. Oh, j'ai touché le fond de l'abîme. Oh. Je refuse d'avaler ça et d'abord je suis en régime. Mais qu'est-ce que c'est au fait? Si tu tiens vraiment à savoir, c'est ma recette secrète à base de limaille. C'est riche en fer. Peut-être comme petit 4 heures. Je préfère encore avoir le nez qui coule. Je sais, mais tu te feras du bien. Un bon massage. Massage? Non, ne me touchez pas. Ah, dire qu'il y en a qui paient pour ça. Non, je suis trop jeune pour mourir à mon âge. Antoine, tu n'as rien à craindre maintenant. Je l'ai débranché, décompresse. Hein? Ah, enfin le soleil de Sterlitz. Je te fais chevalier de la Légion d'honneur. Non merci, les camarades se moqueraient de moi. Parfait. J'inverse la polarité et tout rentre dans l'ordre. À nous deux, Rebecca. Répète après moi. Tu es mon auxiliaire. Tu es mon auxiliaire. Tu es mon auxiliaire. Non, je ne suis pas ton auxiliaire, c'est toi, mon auxiliaire. Non, je ne suis pas ton auxiliaire, c'est toi, mon auxiliaire. Tu es mon auxiliaire. Quelque chose m'a échappé. Mais oui, bien sûr. Non, ce n'est pas ta faute, Rotur. En fait, je suis victime de ma séduction. Nous sommes comme ça de père en fils dans la famille. Aucune femme, aucune au monde ne nous résiste. Et ce fait est encore plus marqué chez moi. Ah, c'est pas vrai. Halte au profiteur. Je vais chercher mes outils pour la démonter. Voyez-vous, Rebecca, bien que par votre légère insistance, vous me rendassiez la vie impossible. Mille pardons. Croyez que me navre la perspective de votre sort. Mais je garderai néanmoins un radieux souvenir de vous. Bon, venez. Vous allez voir. Que pourrais-je faire pour pallier à cette perfection? Changer de coiffure? Ça resterait ma toison d'or. Changer d'uniforme? Non, la vie ne fait pas le moine. Il me faudrait cependant trouver un subterfuge pour dégoûter cette pauvre petite innocente. Frère, tu dois te résoudre au sacrifice. En bref, je vais m'efforcer un temps de parler un langage populaire. Hé, toi la fille, t'es rudement bien carrossée. Et tu sais que tu m'énerves grave. Et tu te parfumes à l'eau de vaisselle. Tu devrais essayer un pantiro et... Le match. Tu donneras le bonjour à ta sœur, poupée. Antoine! Oui! À quoi vous jouez? Après cette limace qui m'a vu, sinon je l'écrase. Eh, Antoine! On dirait que tu as des petits problèmes de communication avec ta damoiselle. Oh, hello, ma tartelette aux myrtilles. Oh, c'est toi que j'aime. C'est quoi? Oh, mais empêchez-la, faites quelque chose.
tour. Gardons-nous bien d'intervenir, Rotur. Il forme un si beau couple, tous les deux. Miel, il est temps de nous jouer la valse des courants d'air. Mon prince, mon marquis, mon duc, mon roi, que dis-je, mon empereur. Exilez-moi, sans tes lèvres.